Ok, bah écoute, on est bon, Christophe, on peut démarrer. Allez, on est parti. Bonjour, bonsoir. Ça dépend où vous vous trouvez dans le monde. Je m'appelle Christophe. On va parler aujourd'hui du cyberharcèlement, cyberbullying en anglais, pour la faire un peu chaude. On a trois invités que je vais vous présenter et puis qui vont nous expliquer dans quel contexte le cyberharcèlement, et je vais pouvoir, j'aurai des problèmes, va nous être présenté. Donc, sans plus tarder, on va présenter les trois invités. On a décidé, comme un accord, de s'appeler par nos prénoms. Ça fait plus sympa. Donc, je vais commencer avec Jeanne. Jeanne, vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour, Bonjour. bonsoir. Vous êtes en métropole, vous, hein? Oui, tout à fait, Est-ce que je peux vous demander en 2 minutes de vous présenter, de dire dans quel cadre vous travaillez ou le cyberharcèlement vous intéresse, c'est ce que vous faites? Juste rapidement, 2, 3 minutes. On va faire le tour des invités et puis après, on posera la question à tous nos invités de la définition du cyberharcèlement. Allez-y, Jeanne. alors, pour ma part, je suis juriste en droit des nouvelles technologies ainsi qu'en criminologie. Par la suite, j'ai intégré une école de programmation informatique. Donc, j'ai aussi la casquette de développeuse pour apprendre à développer mes propres logiciels juridiques. Et j'ai énormément travaillé sur les questions de cyberharcèlement au niveau associatif et au niveau aussi de tout ce qui était lutte contre les discriminations plus globalement. Super, vous avez fait vos 2 minutes, c'est très bien, c'est une bonne note pour vous. On va continuer à ce moment-là, je vois que Clément est prêt. Clément, bonsoir, vous m'entendez? Très bien, Christophe. Bonsoir, Christophe, et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Géographiquement, vous, qu'on se place un peu, vous êtes où géographiquement là aujourd'hui? Eh bien, Christophe, géographiquement, je suis à La Réunion, pas très loin de Chafik. Enfin, en tout cas, sur la même île que Chafik. Voilà. Très bien, je vais vous poser la même Ah. question qu'à Jeanne. Je vais vous présenter rapidement. Comme a dit Chafik, ça va être difficile, mais présentez-vous rapidement, Clément, et dans quel contexte vous travaillez sur le cyberharcèlement. Clément Domingo, plutôt Saxe pour certains, ethical hacker et surtout dans la cybersécurité depuis de nombreuses années. Et dernièrement, il y a eu aussi une prise de conscience qui s'est surtout opérée quand je me suis rendu compte qu'on parlait encore très peu de ces questions de cyberharcèlement, de l'espace numérique et de toutes ces problématiques-là qui parfois échappent totalement aux parents par rapport à comment on peut aider de manière assez simple finalement sur toutes ces questions assez primordiales. Super, très bien. On reviendra sur ce concept-là des parents aidés avec quelque chose que vous nous présenterez. Merci Clément. Et puis je vais finir avec Diane. Diane, bonsoir, vous m'entendez? Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc. Allez-y, présentez-vous. J'embrayais, donc Diane Rambaldini. Donc moi j'interviens surtout pour ma vis-à-vis de ma casquette associative ce soir, puisque je représente l'ISA France Security Tuesday, qui est une association donc qui voilà s'occupe alors pas seulement de cyberharcèlement, on va dire de protection numérique plus largement. Et dans cette association que je préside et que j'ai cofondée il y a maintenant plus de 10 ans, on va vraiment à la rencontre des jeunes et pour leur parler de protection numérique, donc notamment en établissement scolaire, mais pas que. Et on fait surtout des ressources pédagogiques et j'aurai de toute façon l'occasion d'en reparler lors de la présentation. Super, merci. On va continuer avec vous à ce moment-là. Je vais refaire dans le sens inverse. Le Est-ce que... cyberharcèlement, c'est Si. un. Juste, pardon, j'aime bien couper, je suis désolé, Christophe. Est-ce que tu peux te présenter également, s'il te plaît? Oui, alors, c'était pas prévu. Je m'appelle Christophe. Je ne suis pas du tout du côté cyberharcèlement. Moi, je suis du côté développement, comme Jeanne. Ça fait 25 ans que je fais du développement dans une grosse boîte informatique à 3 lettres. Et je suis responsable de la sécurité de la crypto dans ce qu'on appelle le CICD, donc Continuous Integration, Continuous Deployment. Ça n'a rien à voir avec la cybersécurité, mais je fais beaucoup de crypto. Et Si, quand puis, même.
C'est mon background. Mon autre background, peut-être, Jeanne, vous allez pouvoir savoir, c'est que j'ai grandi dans une famille de juristes. Donc, j'ai vécu un peu dans un bain de juristes avec des mots et des choses comme ça, comme le casier judiciaire. Donc, voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse énormément au niveau de la loi. Ça vous va, Chafik? Ça te va? Oui, et ta localisation, tu t'as envie de nous dire un peu, tu alors, viens d'où et, Alors aujourd'hui, je ne sais pas si je vais prendre l'avion demain, mais aujourd'hui, je suis à Toronto, au Canada. Je suis expatrié depuis 25 ans. Voilà. Et il fait très beau, il fait 3 degrés, il y a du soleil. Ok. Et demain, tu te retrouves en métropole, c'est ça? Peut-être si je ne suis pas, si je suis pas négatif au niveau du Covid. Voilà. Voilà les bonnes nouvelles. Parfois. J'ai hâte de t'embêter. Merci, Chafik. Merci. Pardon, Diane, on nous a interrompu, on discutait, vous et moi. Le cyberharcèlement, est-ce qu'il y a une définition du cyberharcèlement? Est-ce qu'on peut réduire, si vous voulez, le concept de tout ce qui est cybercriminalité sur cyberharcèlement? Je vais poser la même question à vous, à toi ou à vous, Clément et à Jeanne. Mais Diane, on va commencer avec vous. Votre définition du cyberharcèlement, c'est quoi? Alors, le cyberharcèlement, évidemment, ça, c'est en rapport complet avec le harcèlement, mais il a effectivement des caractéristiques tout à fait spécifiques. Alors, moi, je connais plus effectivement les cas de cyberharcèlement plutôt liés aux enfants, hein, qui touchent plutôt les enfants. Mais de toute façon, on retrouve exactement la même chose, quelles que soient effectivement les victimes. Et c'est surtout, en fait, cette caisse de résonance qui est permise notamment par les nouvelles technologies et a fortiori, surtout pour le coup, pour les enfants, via les smartphones. Donc, de cas de harcèlement qu'on peut avoir dans un établissement scolaire, par exemple, au milieu de la cour d'école, eh bien, le cyberharcèlement se caractérise par la continuité, en fait, après l'école, puisque l'enfant, quand il rentre chez lui, bah, continue en fait de subir des insultes, un tas de violences, quel que soit d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ça peut aller de propos choquants, de la diffusion de photos, enfin, y a un panel assez important effectivement de ce qu'on peut trouver hein, comme élément, mais voilà, c'est surtout cette caisse de résonance qui est permise par les nouvelles technologies. Je me mute. Merci Diane. On va pouvoir en reparler avec vous quand on va revenir et on va retourner sur votre présentation. La caisse de résonance est assez c'est assez intéressant comme concept. Clément, je voulais continuer avec vous, votre définition du cyberharcèlement en fonction de la cybersécurité. On va essayer de parler un peu de la technologie plutôt que du côté émotif. Cybersécurité, cyberharcèlement. Écoutez, Christophe, moi, je vais essayer de prendre une définition et dire surtout quels sont les points faibles du cyberharcèlement aujourd'hui, ce que ne couvre pas le cyberharcèlement. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est le manque de loi, c'est le manque de sensibilisation, des campagnes à la fois de publicité très ciblée sur des médias à grande écoute, le soir, le midi, où on va dire la majeure partie des personnes, et là, pour le coup, vu qu'on parle entre autres surtout de l'Europe et encore plus aussi de l'Afrique, là-dessus, c'est aussi le manque d'outils technologiques pour pouvoir traquer concrètement et encore de manière beaucoup plus spécifique les cyberharcèleurs. Aussi, ça va être vraiment être tout ce personnel-là aujourd'hui que le cyberharcèlement ne couvre pas, parce que c'est peut-être un peu le rappeler que c'est encore quelque chose de très nouveau dans la tête de beaucoup de gens. Et donc, ce qui fait qu'il y a un énorme manque sur énormément de plans, aussi bien sur le plan juridique, bon, ça, Jeanne, pour en parler plus que moi, sur le plan technique, mais aussi sur le plan tout simplement de la communication à grande échelle. Vous faites mon boulot, en fait. Vous venez de dire qu'on va parler à Jeanne du côté du cyberharcèlement au niveau de la loi. Bravo, je vais vous laisser continuer, Clément. C'est très bien. C'était une petite passe décisive. Hein. Vous êtes bon, vous êtes très, très bon. Jeanne, bonsoir. Alors, on va finir avec vous, votre définition. Alors, est-ce qu'il y a effectivement une définition juridique du cyberharcèlement en France et est-ce qu'elle est différente d'avec, par exemple, le Maroc ou les États-Unis ou Singapour? Alors, en France, on a une définition, en effet, du cyberharcèlement qui découle, comme a pu me dire Diane, en fait, de cette notion de harcèlement. Simplement, on va partir du principe que c'est du harcèlement via des outils numériques,
Alors, qu'est-ce que le harcèlement? Alors ça, j'y reviendrai pendant ma présentation. Finalement, ce sont des actes, des propos répétés. Et c'est vraiment cette notion de répétition qui est très importante pour définir le harcèlement puis le cyberharcèlement. Et aujourd'hui, on a le code pénal qui énonce dans plusieurs dispositions différentes ce qu'est le cyberharcèlement, mais également les sanctions applicables en matière de cyberharcèlement. Et on pourra, merci, parler des sanctions. On pourra peut-être en parler si on a le temps de la nouvelle loi, de la proposition de loi. Hein, je crois que Diane et Jeanne, on en parlait. Pourquoi on ne va pas vous laisser commencer à ce moment-là, Jeanne, si vous aviez une présentation? Je suis sûr que vous êtes très forte en PowerPoint et comme il faut. Vous avez de très beaux slides. J'essaie. Là, c'est une de vos qualités, une de vos nombreuses qualités. Présentez-nous donc à ce moment-là. Je vais vous donner 10 minutes pour nous présenter donc, le harcèlement. Vous parliez donc de répétition. Du côté légal, c'est à vous. Oui, alors je vais peut-être faire un partage d'écran. Tac, tac, tac. Je vais y arriver. Alors, hop. Et normalement, vous allez pouvoir voir mon écran si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est tout bon. C'est parfait. Donc, en effet, on va avoir plus le côté juridique avec moi. Je vais vous parler tout d'abord du fait de replacer le cyberharcèlement parmi les cyberviolences, mais alors de manière très brève, définir ce qu'est le cyberharcèlement, puis par la suite, on verra les conséquences du cyberharcèlement au niveau des auteurs, donc les sanctions qui peuvent être appliquées, mais également la responsabilité de tous les acteurs qui vont graviter autour de ces situations de cyberharcèlement. Et enfin, on clôturera, je clôturerai cette présentation avec quelques bonnes pratiques et quelques pistes aussi, quelques numéros utiles à contacter en cas de cyberharcèlement. Donc, les cyberviolences, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être l'ensemble de violences qui sont exercées via les outils numériques. Donc, Diane le disait, par exemple, via le téléphone, Internet, les forums, les jeux vidéo. Et donc, ça va recouvrir énormément de notions différentes. On parlait du cyberharcèlement, mais aussi vont rentrer là-dedans les insultes, les humiliations, tout ce qui est revenge porn, cybersexisme et slut-shaming. Ça peut être aussi le fait de voler l'identité numérique de quelqu'un, par exemple. Et on va avoir en France, en tout cas, des experts qui vont vraiment se concentrer sur ces cyberviolences. On a des experts au niveau départemental, régional et aussi national, avec un centre dédié à la lutte contre les criminalités numériques. Alors, pourquoi avoir des experts qui sont vraiment spécialisés là-dedans? Parce qu'on le sait, pour le cyberharcèlement en tout cas, on a souvent l'identité des auteurs de ces violences qui n'est pas forcément connue, parfois qui vont procéder via des pseudonymes. Et donc, c'est intéressant d'avoir des experts qui vont vraiment pouvoir investiguer et retrouver l'identité des auteurs de ces violences. En ce qui concerne le cyberharcèlement, je disais, il est défini dans le code pénal. Donc, c'est le fait d'avoir des propos, des comportements qui sont répétés et qui vont dégrader les conditions de vie de la victime, sa santé physique ou morale. Et cette notion de répétition, ça peut être une personne qui va harceler une victime, mais ça peut également être un groupe de personnes, un groupe d'individus qui vont chacun à leur tour commettre, par exemple, un acte, et à ce moment-là, on va pouvoir quand même parler de harcèlement, même si au sein de ce groupe, les auteurs de ces violences ne se connaissaient pas et ne s'étaient pas concertés. Le fait que ces violences aient été commises en ligne, c'est aujourd'hui une circonstance aggravante en France. Depuis la loi Schiappa qui a consacré en fait cette notion de cyberharcèlement en 2018, donc c'est assez récent, hein, que depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a plus d'un adolescent sur 10 qui est victime de cyberharcèlement, sachant que c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a énormément de victimes de cyberharcèlement qui n'ont pas forcément parlé, par honte, par culpabilité notamment. Et en général, on dit que le cyberharcèlement, en fait, il naît d'énormément d'éléments différents. Hein. Il peut y avoir des jalousies entre adolescents, des attaques sur le physique, sur l'âge. Je prenais l'exemple du hashtag anti-2010 qui avait vu le jour avec des adolescents qui s'en prenaient aux enfants nés en 2010 ou après. Ça peut être aussi le genre, l'orientation sexuelle. Donc, ça recouvre énormément de notions différentes. En ce qui concerne les conséquences, d'un point de vue en tout cas légal,
Eh bien, c'est l'article 222-33-2-2 du Code pénal qui va venir poser les sanctions applicables en matière de harcèlement et de cyberharcèlement. En ce qui concerne la définition classique du harcèlement, on part sur un an d'emprisonnement et jusqu'à 15 000 euros d'amende. Mais comme je vous le disais, le cyberharcèlement, eh bien, ça va être une circonstance aggravante. Et donc, à ce moment-là, la peine est amplifiée. On a jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément en fait, de circonstances aggravantes qui gravitent autour du harcèlement, puisqu'on peut avoir aussi du harcèlement sexuel qui se couple au cyberharcèlement. Et à ce moment-là, on aura 2 circonstances aggravantes. Et dans ce cas-là, on passera sur 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En ce qui concerne plus particulièrement le harcèlement scolaire, puisque ce sont malheureusement les plus jeunes qui sont touchés par justement via les réseaux sociaux notamment, on a la proposition de loi de Erwan Balanant qui est en cours d'étude et qui souhaite créer ce nouveau délit de harcèlement scolaire et également cyberharcèlement scolaire qui en découlera, avec des peines qui sont assez intéressantes. Parce que là, en matière de peine, on est sur des peines de 3 ans d'emprisonnement dès lors qu'il y a eu pas d'ITT ou jusqu'à 8 jours d'ITT, et 5 ans d'emprisonnement si il y a eu plus de 8 jours d'ITT, je vais y arriver. Et si jamais la victime a tenté de mettre fin à ses jours ou s'est suicidée, à ce moment-là, on part sur 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, donc la peine maximale en ce qui concerne les délits. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on le voyait, le cyberharcèlement, c'était 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Et là, on est sur des peines qui sont extrêmement plus lourdes, ce qui prouve vraiment la volonté des décideurs publics de prendre en main le phénomène de harcèlement scolaire et de le considérer et d'accompagner au mieux les victimes et sanctionner assez lourdement, en tout cas, les auteurs. Alors, j'ai pris 2 cas concrets un peu pour illustrer mes propos. Un cas qui n'a pas été encore résolu et un cas qui l'a été. Alors, un cas d'ailleurs qui n'a pas fait encore l'objet d'une plainte, mais je l'espère qu'il le fera, avec Léna Situation, donc, qui est une youtubeuse qui actuellement vit un cyberharcèlement sur fond sexiste et raciste. Et on va pouvoir se demander si jamais une plainte est déposée, comment le juge pourrait définir ou non qu'il y ait cyberharcèlement. Eh bien, le juge, il va réfléchir en fonction de deux éléments, donc un élément matériel et un élément moral. L'élément matériel, c'est tout simplement le fait de qualifier l'infraction, le fait qu'il y ait eu harcèlement via un support numérique. Et un élément moral, donc le fait de prouver l'intention de l'auteur de dégrader les conditions de vie de sa victime. C'est quelque chose qui est plus compliqué à prouver forcément, mais qui n'est pas impossible du tout, puisque à partir par exemple de captures d'écran qui prouveraient la volonté de l'auteur de nuire à la victime, eh bien, le juge pourra qualifier le fait qu'il y a eu cyberharcèlement. Une affaire qui, elle, quant à elle, a été résolue, c'est l'affaire Marvel Fitness, qui est également un YouTuber, qui, quant à lui, était l'auteur des violences. Il a été condamné en 2020 à 2 ans de prison et 10 000 euros d'amende, puis en appel, sa peine de prison ferme a été réduite. Et c'est la première fois, en fait, que le juge vient qualifier ce cyberharcèlement comme étant un cyberharcèlement de meute. Alors, c'est vraiment une notion qui est très intéressante et qui montre toute la violence, finalement, du cyberharcèlement qu'ont vécu ces victimes. Le juge, en fait, a raisonné selon un faisceau d'indices. Il est parti tout d'abord du nombre de la quantité de messages qui avaient été reçus par les victimes, plus de 5 000, de la durée sur laquelle s'est étendu aussi ce cyberharcèlement, 3 ans, et enfin l'influence du YouTuber qui a vraiment incité ses abonnés à cyberharceler à leur tour ses victimes. En ce qui concerne la responsabilité des acteurs qui peuvent graviter autour des situations de cyberharcèlement, eh bien avec la proposition de loi Balanant, on pourrait engager enfin les établissements, la responsabilité des établissements scolaires et supérieurs.
ils auraient à leur charge en fait une obligation de moyens de prévenir, traiter et sanctionner les auteurs de cyberharcèlement et harcèlement, et également d'orienter, d'accompagner les victimes, mais également les auteurs, vers des structures adaptées, vers des associations, vers un suivi psychologique. Donc ça, c'est assez intéressant ce qui est proposé dans cette proposition de loi, sachant que ce n'est évidemment pas une obligation de résultat, parce qu'on ne peut pas assurer qu'il n'y ait pas de harcèlement au sein d'un établissement scolaire. Simplement, les établissements devront mettre en place tous les moyens utiles pour prévenir ou sanctionner, le cas échéant, ce genre de situation. En ce qui concerne les intermédiaires techniques, alors leur responsabilité peut déjà être engagée selon deux conditions cumulatives. Si jamais la plateforme a eu connaissance du contenu incriminé, donc des propos, donc si jamais, par exemple, je suis cyberharcelée sur Facebook et que j'ai signalé le profil de la personne qui me cyberharcèle, et si jamais la plateforme n'a pas agi rapidement pour retirer les messages, les publications qui me concernent. Alors là, c'est une notion quand même qui est assez floue, parce que rapidement, ça peut être quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Ce sera vraiment à la libre appréciation du juge. Donc, en ce qui concerne les bonnes pratiques à adopter, alors on va se placer du point de vue de la victime tout d'abord. La victime, déjà, il faut qu'elle sache qu'elle doit ne surtout pas s'isoler, en parler à des personnes de confiance, à son entourage, pour pouvoir essayer justement de se sortir de cette situation de cyberharcèlement. Il y a quelque chose qui est très important aussi et dont on n'a pas forcément le réflexe. Imaginons, je vois une publication qui me concerne de mes cyberharceleurs. La première chose que j'ai envie de faire légitimement, c'est de supprimer le contenu à tout prix. Ce qu'il faut faire en réalité, c'est se constituer un dossier, faire des captures d'écran, des messages, des publications et essayer de les stocker au maximum pour se créer, se constituer un dossier si jamais il y a une plainte. Également, on peut demander le retrait des contenus incriminés, bon, à l'auteur de ces contenus, mais ça semble assez utopique, mais sinon à la plateforme qui les héberge, et ça dépendra après des conditions d'utilisation de la plateforme pour le retrait. La victime, enfin, peut faire un signalement en ligne ou porter plainte, même si elle ne connaît pas le nom des auteurs de ces violences, même si c'est un pseudonyme, eh bien, elle pourra porter plainte contre X. Et dernière chose qui est très importante pour la victime, c'est de prendre de la distance, du recul avec les réseaux sociaux où se déroule le cyberharcèlement. Alors, c'est aussi quelque chose qui est facile à dire, plus compliqué à faire, mais pour sa santé mentale, pour la préserver en tout cas, c'est quelque chose qui est fortement conseillé, et de bloquer aussi ces cyberharceleurs dans la mesure du possible. Enfin, les témoins peuvent également en parler autour d'eux, essayer de trouver conseil auprès de professionnels, de juristes, d'avocats, s'il le faut, d'associations. Il est très conseillé aussi de ne pas agir seul, c'est-à-dire de ne pas s'en prendre aux cyberharceleurs pour venger leur ami. C'est quelque chose qui est important. Et enfin, vraiment réorienter la victime vers des structures adaptées, vers des associations d'aide aux victimes qui vont pouvoir accompagner la personne qui subit du cyberharcèlement dans la constitution de sa plainte et également dans sa reconstruction. Alors, j'ai mis quelques numéros utiles pour clôturer ma présentation. Je pense que Diane en parlera aussi. Net Écoute, qui permet vraiment, qui est consacré au cyberharcèlement et donc qui est disponible par téléphone, mais aussi sur Facebook, sur Messenger ou par mail, et qui permettront aux victimes d'être redirigées utilement vers les structures qui sont adaptées, vers un commissariat, etc. À La Réunion, on a aussi une association pour l'aide juridique aux familles et aux victimes, qui pourra conseiller la victime dans ses démarches. Et dernier numéro que je trouvais important, un numéro d'aide aux victimes nationales. Donc là, c'est vraiment pour tout type d'infraction. Et c'est intéressant aussi de les contacter si jamais on a connaissance de quelqu'un ou si jamais on vit soi-même une situation qu'on pense être du cyberharcèlement, mais on n'en est pas sûr. On peut les contacter pour avoir une vraie qualification juridique et pour avoir le soutien et le conseil de juristes qui travaillent pour l'association. Donc voilà, c'était tout pour ma présentation. En tout cas, j'espère que ça vous en aura appris un peu plus sur le cyberharcèlement. Et n'hésitez pas en tout cas à me poser des questions aussi dans le chat. J'y répondrai peut-être à la fin de la table ronde si vous le souhaitez. Merci Jeanne.
extrêmement intéressant. J'ai une petite question que je vais poser aux trois interlocuteurs ici. On parlait de personnes morales, on parlait de sanctions, on parlait de prévention. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour les personnes morales? C'est la sanction, comme le GDPR, ou je ne sais plus comment ça s'appelle en français, le DPR, où on paye si on ne fait pas quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, l'éducation de ces personnes morales, que ce soit, vous parliez des providers, des hébergeurs ou des étudiants secondaires, où il faut faire un peu des deux. Comment vous voyez ça au niveau légal pour les personnes morales? Alors, il faut faire vraiment des deux. Pour moi, il faut vraiment taper dans les deux en même temps. Et d'ailleurs, je crois qu'on a, par exemple, Twitch qui a commencé à se lancer dans tout ce qui était lutte contre le cyberharcèlement. C'est très important de sensibiliser un maximum, d'informer en la matière, d'avoir ce travail de prévention, mais aussi ce travail de sanction. En fait, l'un et l'autre vont de pair pour moi. D'accord. Je ne sais pas si Clément ou Diane, vous avez des choses à ajouter sur cette espèce de prévention pour les personnes morales, que ce soit les hébergeurs ou que ce soit les personnes qui contiennent, qui font transmettre ces informations, que ce soit YouTube, Google, ou même les entreprises avec lesquelles on peut travailler. C'est une question un peu comme ça, voilà, Diane et Clément. Eh ben, j'y vais alors. C'est effectivement une question assez majeure de ce sujet, mais qui n'est pas facile. Pour une raison assez simple, c'est que déjà, il y a un enjeu financier pour toutes ces plateformes. Et repérer effectivement du cyberharcèlement, eh bien, ça demande des ressources, ça demande de la modération. Et puis, ça demande aussi de faire un peu le ménage, ce qu'elles ne sont pas toujours forcément enclines à faire. Néanmoins, on voit quand même des avancées majeures sur cette question, et notamment puisque Jeanne m'a tendu la perche tout à l'heure sur le 3018 avec l'association e-enfance qui gère effectivement cette plateforme d'écoute et d'assistance, que ce soit aux témoins ou aux victimes d'ailleurs en l'occurrence de cyberviolence, qui depuis maintenant 2-3 ans essaye de préparer cette collaboration avec les plateformes pour justement faire retirer dans des temps brefs, notamment des contenus qui posent problème et pour repérer un certain nombre de violences, mais surtout pour faire retirer des contenus gênants. Donc, voilà, ça demande aussi un peu de politique, ça demande aussi des gestes forts, des vraies actions. Et on voit les choses bouger, donc c'est, il n'y a peut-être pas encore assez, mais en tout cas, on voit quand même des avancées sur cette question. Mais à un moment, la question de la responsabilité, effectivement, mais même plus large, hein, c'est sur la cybersécurité en tout d'ailleurs, va de toute façon se poser et se pose de plus en plus, et notamment avec toutes les certifications qui arrivent. Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais je pense que la question de la responsabilité va être au cœur de nos prochains challenges. Merci, Diane. On va continuer avec vous, Clément. Diane parlait de repérer les contenus gênants, hein, tout ce qui est prévention. Est-ce qu'au niveau cybersécurité, c'est quelque chose qu'on a? On a des outils pour repérer les contenus avec des mots ou des choses comme ça? Très, très peu, Christophe. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Madame Rambaldini à l'instant, moi, je pense que vraiment au niveau des plateformes, il y a un vrai souci. Bah, déjà, bah, qu'on se le dise, parce qu'on est un tout petit peu entre nous et que moi, j'aime vraiment bien mettre les pieds dans les plats, en tout cas presque. Aujourd'hui, il y a quand même... faire un peu, on va dire, du buzz et surtout, en fait, laisser ces contenus haineux là. Et même parfois, qu'on se le dise vraiment, des vendettas contre des personnes, c'est totalement, ça fait vraiment le beurre d'eau. En fait, ça vient concrètement renflouer les caisses de ces plateformes-là. Et donc, je pense aussi que nos gouvernements, nos États, qu'il n'y ait pas, en fait, de gestes forts et puis surtout des mesures idoines que ces plateformes-là puissent prendre, on aura beau parler, on aura beau faire aussi de la prévention en amont, derrière, s'il y a, en tout cas, des personnes qui commencent un peu dans tout ça, et que typiquement, on sent vraiment qu'il y a une personne qui est en danger et que ça prend entre une semaine, parfois un mois, à retirer le contenu. Je ne suis pas très sûr que ce soit pertinent. Et puis, pour rebondir ensuite sur l'autre question que vous posiez tout à l'heure, Christophe, par rapport un tout petit peu aux outils, aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué de savoir un peu comment vous allez un tout petit peu venir catégoriser un tweet. Typiquement, enfin, si je prends l'exemple un peu plus concret, peut-être que j'en parlerai un peu plus tard lors d'une discussion encore plus poussée, si on devait prendre ne serait-ce qu'un tweet
de base. Aujourd'hui, on sait qu'on a certains algorithmes qui vont être basés sur de l'intelligence artificielle, du machine learning, et typiquement, un peu, si on prend un peu ce qu'on appelle le modèle BERT, qui, lui, va se baser sur du machine learning, du deep learning, on va pouvoir catégoriser ces tweets en leur conférant, on peut dire, une note qui va partir de 0 à 1, un peu comme si on allait un tout petit peu noter un tweet, ou autant pour moi, on allait un tout petit peu noter un établissement, suivant que l'établissement soit... vous avez bien reçu, que le service est là. On peut le faire aussi sur des tweets, mais sauf que la machine elle-même peut se tromper. Si on prend un peu l'exemple d'un tweet concret, que dans ce tweet-là, il y a le mot cyberharcèlement, il y a un peu les mots dont j'ai vu un peu dans la présentation de Jeanne, comme concrètement vraiment de gros mots. Est-ce que finalement, c'est pour harceler une autre personne ou au contraire pour venir dénoncer? Donc en fait, là, on rentre vraiment dans la complexité même des outils aujourd'hui qui puissent venir remonter, vraiment, on va dire, cibler ces tweets qui soient vraiment harceleurs et pas ces tweets qui soient là pour dénoncer certaines choses. Super, Clément. Je comprends bien. Détection, je vais rebondir avec là-dessus, parce que j'avais une autre question pour vous, Jeanne, à propos de la détection. On se cache, hein. Vous avez utilisé le mot se cacher, vous avez utilisé le mot meute. Est-ce que c'est une difficulté pour le pouvoir, pour la législation, de trouver effectivement qui a harcelé? Est-ce que j'ai vraiment harcelé ou j'ai juste dit aux gens « mais non, allez-y », et puis c'est mes followers et ils font ce qu'ils veulent? Ce concept de responsabilité, de trouver la personne qui était vraiment derrière l'ordinateur à ce moment-là, et est-ce que cette personne a dit « oui, allez-y, prenez, allez attaquer cette personne-là » et est vraiment responsable? Est-ce que c'est difficile au niveau juridique? Alors, ce qui est difficile, en effet, c'est de retracer l'identité des auteurs à partir du moment où, quand je le disais, par exemple, pour Marvel Fitness, il y a eu 5000 messages, il y a eu un nombre incalculable d'auteurs, et majoritairement sous pseudonyme. Et en fait, ça demande beaucoup de moyens de retrouver à chaque fois l'identité des auteurs. Aujourd'hui, on n'est pas encore à la pointe pour vraiment agir efficacement à moindre coût et retrouver chaque auteur. Donc, c'est une complication et également, ça peut un peu décourager finalement les enquêteurs parce que si on se retrouve face à 1000 harceleurs, 2000 harceleurs ou que sais-je, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on ne va pas pouvoir vraiment condamner tous les auteurs de violence. En tout cas, on pourra seulement s'attarder sur ceux qui sont les plus simples à être trouvés. Également, pour ce qui est d'inciter, en tout cas, dans le cas de ce YouTuber qui avait commis ce cyberharcèlement, il a vraiment enjoint ses abonnés à harceler ses propres victimes. Et à ce moment-là, le juge n'a pas hésité à partir du principe que c'était lui qui était responsable à l'origine et c'est lui qui a pris une peine la peine la plus symbolique. En ce qui concerne le fait de parler de harcèlement de meute, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ça montre que via les réseaux sociaux, via l'influence aussi de YouTubeurs, Instagrammeurs, etc., on arrive à des situations qui nous dépassent complètement et qui sont un peu hors de la réalité parce que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas vivre dans la vraie vie. C'est vraiment les outils numériques qui créent de nouvelles situations qu'on ne on ne pensait pas connaître il y a peut-être 10 ans, ou même moins d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a les décideurs publics qui réagissent, et ce, depuis 2018, c'est quand même depuis seulement 3 ans qu'on réagit, qu'on parle de cyberharcèlement et qu'on se rend compte que c'est quand même une infraction qui est très particulière parce que c'est très compliqué de retrouver les auteurs, comme je le disais, et ça peut prendre beaucoup d'ampleur très vite. Donc les décideurs publics se mettent de plus en plus à reconnaître justement ce phénomène, notamment au niveau aussi scolaire et universitaire. C'est intéressant. Après, c'est sûr que ce n'est pas encore suffisant. On espère que dans les années à venir, on ait des outils beaucoup plus performants pour pouvoir vraiment contrer ces phénomènes-là et sensibiliser aussi le public, parce que pour l'instant, c'est quelque chose, en effet, comme le disait Clément, qui n'est pas fait. Et aussi, ça conduit au fait que finalement, les auteurs de ces violences-là n'ont pas toujours conscience de la portée de leurs actes. On est derrière un écran et en fait, il n'y a pas cette violence de quand on parle à une personne et qu'on l'insulte en face. Donc, ça peut très vite dégénérer et c'est quelque chose qui est à prendre en compte pour sensibiliser aussi et faire de la prévention. J'aime beaucoup ce que vous dites, c'est ce concept de conscience. Diane, j'aimerais avoir votre point de vue sur ce concept de conscience. Qui sont ces harceleurs? Alors, il y a les harceleurs professionnels qui, effectivement, trouvent un profit ou à harceler. Mais est-ce qu'il y a la personne qui veut se faire, je suis harcelé, j'harcèle parce que je veux faire partie d'un groupe, j'harcèle parce que je suis jaloux,
Qui sont ces harceleurs? On va parler plutôt du côté scolaire. Vous avez un profil? C'est une super transition parce que je vous avais préparé justement une petite slide. C'est Clément qui m'a dit de faire ça. Monsieur Domingo, donc. Monsieur Domingo, oui. Alors. Alors, attendez. À votre temps, on n'est pas. Non, c'est pas grand-chose, c'est. Alors, excusez-moi, j'avais trop de paramétrages de sécurité, donc je vous quitte 2 secondes et je reviens. C'est juste pour. Allez-y, on va poser une question à ce moment-là. Je ne sais pas si Diane ou Clément vous a fait. Il y a une question sur le chat qui est un petit mot sur le doxing et la nouvelle loi sur le sujet. De Sébastien Ramela, alias Mekal. Moi, je peux surtout prendre le doxing et peut-être laisser Jeanne des informations là-dessus, sur la partie juridique, étant son domaine de compétence. Le doxing, peut-être pour situer, c'est le fait de divulguer sur les réseaux, donc la plupart du temps sur Twitter, sur Instagram ou encore sur Twitch, les informations complètes d'une personne, en partant de son vrai nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, éventuellement les noms, prénoms aussi de ses parents, éventuellement si la personne aussi a des enfants, les lieux où ses enfants en tout cas vont à l'école. Et si vous voulez, cette pratique-là, on a commencé vraiment à la voir à l'époque avec vraiment tous ces youtubeurs-là, ou ces personnes-là, en tout cas, on va dire les streamers qui jouaient en ligne. Et donc, il y avait à l'époque un jeu qui consistait à diffuser leur adresse et en fait vraiment envoyer le FBI. Et donc, vraiment, le FBI venait défoncer la porte et on voyait vraiment ça. Et aujourd'hui, c'est une pratique qui se généralise, hélas, et je dis vraiment hélas, de plus en plus. Et pour continuer un tout petit peu dans cette lancée-là, il y a aussi un autre type de population qui est énormément victime du doxing, surtout à l'approche des élections présidentielles, ce sont les journalistes. Et on n'en parle pas aussi, mais voilà. Donc le doxing, c'est vraiment cette pratique-là qui va tout simplement consister à divulguer toutes vos informations, donc votre nom, votre prénom, sur Internet et surtout votre adresse postale, et puis éventuellement envoyer, inciter des gens à vous attendre soit en bas de chez vous, au bas de votre immeuble, et venir vous menacer physiquement et plus du tout sur les réseaux sociaux. Merci Clément. Je ne sais pas si Jeanne, vous avez des informations sur la nouvelle loi sur ce sujet. Alors, sur la nouvelle loi, je ne saurais pas dire. En tout cas, tout ce qui va être divulgation, je vais y arriver, de données à caractère personnel, c'est en effet réprimé par le code pénal également. Tout ce qui va être atteinte à la vie privée, tout simplement. Après, on pourrait partir du principe aussi que c'est possiblement de l'incitation à harceler une victime. Donc, ça dépend vraiment de l'appréciation du juge dans ce moment-là. Enfin, mais en effet, il y a déjà des peines qui existent dès lors qu'on divulgue les données d'une personne et son, par exemple, l'endroit où elle vit, comme le disait Clément. Très bien. Merci, merci Jeanne. Je ne sais pas si Diane, vous êtes revenue avec toute votre sécurité. On parlait du harceleur qui peut être juste derrière son écran ou de la meute d'harceleurs, de l'incitation et d'avoir une espèce de profil sur ce harceleur. Je ne sais pas si vous êtes préparé votre slide, Diane, je ne vous vois plus. Vous êtes parti. On va pouvoir continuer à ce moment-là. Ce qu'on va faire, on va reprendre avec Diane après. Clément, on va continuer avec vous. Et c'est votre projet. Et on parlait de traquer, vous aviez parlé de traquer ces gens-là. Est-ce que on peut partir sur ce thème-là avec vous, Clément, sur traquer ces harceleurs et puis tout ce qui est ces informations, ces éducations, l'éducation pour les personnes autour des harceleurs. Ouais, totalement, Christophe. On va essayer de faire un pendant un peu entre le cyberharcèlement au travers d'un petit programme qui date vraiment de cette année, qui est totalement nouveau, qui s'appelle le permis cyber. Et à la fin de cette petite présentation, je vais essayer un peu de parler
peut-être aussi de comment on peut mettre en place avec la technologie, parce qu'aujourd'hui, la technologie peut aussi être au service du bien pour se faire. Et donc, sans plus tarder, le permis cyber, donc le permis cyber qui est rien d'autre qu'une autre prise de conscience qui a été opérée en milieu de cette année, donc vers un tout petit peu avant, vers le mois de mars-avril, et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui existait, entre autres en France, qui s'appelle le permis Internet, qui date de 2015, mais qui est légèrement vieillot par rapport aujourd'hui aux enjeux que l'on a à traiter. Aussi, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant, avec ma casquette d'ingénieur en cybersécurité, de hacker, de la manière aussi de penser comme un attaquant, de savoir aussi comment on peut se cacher par rapport à tout ça, de faire de la prévention bien en amont, en incorporant tous ces nouvelles pratiques autour de l'identité numérique, autour du cyberharcèlement, autour un peu de l'utilisation des mots de passe, parce que la plupart du temps aussi, ça peut aider en tout cas à se protéger un tout petit peu plus. Et donc là, je présente aussi en exclusivité pour Chio, dans le cadre un peu des Chiotech, du coup, le prochain site qui va sortir autour du permis cyber. .fr et le logo qui va aussi venir accompagner ce site-là. Et un petit chiffre pour un peu vraiment bien situer aujourd'hui de quoi on est en train de parler. En France, aujourd'hui, il y a pas loin de 5 millions d'élèves dans les établissements publics et privés qui soient sous ou hors contrat. Une fois qu'on a dit ça, 5 millions, OK. Le second chiffre qui va peut-être alerter un tout petit peu plus, il y a exactement... en tout début de ce mois de décembre, j'ai eu la chance d'aller rencontrer les équipes du major général Bouger et de deux colonels qui, entre autres, aujourd'hui, qui s'occupent vraiment de la partie répression numérique et qui va aussi faire un peu de la formation, de la sensibilisation donc auprès des jeunes. Et au travers un peu de cette discussion qu'on a eue, il me disait qu'en fin de compte, par année, il pouvait seulement toucher pas loin de 800 000 élèves. Et je pense que si on fait un tout petit peu ensuite, éventuellement, qu'on allait voir aussi les chiffres des autres associations qui peuvent aussi faire, on va dire, de la sensibilisation auprès des jeunes enfants, je pense aller peut-être qu'à tout casser, on atteindrait le million, voire le million et demi. Donc, ça veut dire qu'encore qu'il y a pas loin de 3 millions, voire 3,5 millions d'élèves en France aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas entendu parler du cyberharcèlement, qui en ont peut-être entendu parler, mais qui ne savent pas concrètement de quoi il s'agit. Bref, et donc, fort un peu de tous ces constats, je me suis dit que j'allais un peu prendre mon bâton du pèlerin et commencer à ma manière à apporter une forme un peu de sensibilisation, mais de la sensibilisation positive. Et donc là, je vais vous montrer un peu un programme, je l'ai vraiment raccourci pour montrer de manière très concrète lorsque je vais partir dans des écoles, quand je vais faire un peu des sessions qui peuvent durer toute la journée, donc des sessions qui vont durer entre 1h30 et 2h en fonction des différents niveaux, sachant que je commence à partir du CM2 jusqu'à la 3e. Et pour certains classes ou groupes que j'ai pu voir aussi cette année, j'ai pu faire des secondes, des premières et des terminales. Donc, je vais vraiment venir apporter quelque chose qui soit légèrement différent, mais surtout impliquer les élèves. Et donc, il y a toujours une introduction qui est faite, qui va durer 5 minutes, où je vais un peu rappeler les règles, le pourquoi du comment on est là, surtout essayer de rassurer ces élèves-là que je vais voir en face de moi, en leur disant qu'il n'y a finalement aucune question qui soit bête, débile, et que surtout, le but de ce petit espace, en tout cas de cette petite heure et demie que l'on allait passer ensemble, c'était vraiment pour échanger sans jugement ni contrainte, et surtout terminer par le fait de me présenter et leur expliquer pourquoi j'étais légitime, moi, ce matin ou cet après-midi, de me poster devant eux pour échanger. Une fois que cela est dit, je prends environ entre 12 à 15 minutes, jamais je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais de 10 à 15 minutes où je vais tout simplement venir poser un certain nombre de questions, et ils vont pouvoir ensuite aller constituer des petits groupes entre 8, 5, 10, en fonction un tout petit peu de l'ensemble même du groupe, et réfléchir sur ces différentes questions. Qu'est-ce qu'évoque un tout petit peu la cybersécurité pour eux? S'ils utilisent un mot de passe, comment en choisir un? Pourquoi en utiliser un? La question un peu des réseaux sociaux par rapport aux comptes, aux vidéos, aux commentaires, tout ce qui va être aussi par rapport aux recherches Internet, et surtout avec une question subsidiaire, mais en tout cas un effet voulu recherché derrière. Est-ce qu'ils vont tout simplement s'arrêter sur les 2-3 premiers liens lorsqu'on va leur demander de faire des recherches, au contraire, lorsqu'ils vont tout simplement vouloir s'informer, sachant quand même qu'aujourd'hui, il y a aussi un peu
une énorme désinformation par rapport aux liens qui peuvent être plébiscités ou pas. Et les deux dernières, où je leur demande un tout petit peu de se positionner dans la... de prendre un peu cette casquette-là du grand frère ou de la grande sœur à leur niveau, avec ce qu'ils connaissaient, de pouvoir donner un peu un ou deux conseils par rapport à leur... aux personnes qui viennent après eux. Et ce qui pouvait aussi un tout petit peu penser du contrôle parental. Et ce qui est drôle, c'est que lorsqu'ils reviennent tous ensemble et que chacun des rapporteurs de chaque groupe monte devant la scène, et donc ils exposent, à aucun moment donné, je vais venir les arrêter, je vais vraiment écouter de manière très attentive tout ce qu'ils auront à dire, et seulement à la fin, venir rebondir sur certaines choses qu'ils ont pu d'ailleurs très, très, très bien cerner, au contraire, qu'ils n'ont pas du tout bien cerné, et on entend quand même des choses très, très intéressantes à ce moment-là. Puis après, j'avance un tout petit peu plus, et assez souvent, je pose cette question-là que j'aime d'ailleurs poser aussi bien aux tout petits, mais aussi aux tout grands. Est-ce que, comme moi d'ailleurs, vous n'avez rien à cacher? Et de manière générale, beaucoup de personnes lèvent la main. Et à ce moment-là, j'essaie un peu de faire des mises en situation avec une première mise en situation qui ne va pas trop leur parler à leur âge. Donc, quand je vais dire à leur âge, à partir du CM2, on va dire... jusqu'à la cinquième, quatrième, est-ce qu'ils étaient prêts tout simplement à sortir leur téléphone, à le déverrouiller et à montrer les cinq derniers SMS reçus, envoyés, encore aller vraiment sur leur réseau. Et là, bizarrement, et d'ailleurs, cette expérience-là marche encore beaucoup, beaucoup plus chez les personnes de ma génération, chez mes amis, dans la famille. D'ailleurs, je vous invite à le faire, cette petite expérience-là, demander si les gens n'ont rien à cacher. S'ils n'ont rien à cacher, s'ils sont tout simplement prêts à ouvrir leur boîte mail, à vous montrer un peu les cinq derniers mails qu'ils ont reçus ou qu'ils ont pu envoyer, encore leur téléphone, sachant quand même que le téléphone est l'extension même par excellence de notre nous. Et là, bizarrement, il n'y a vraiment plus personne qui répond. Non, c'est quand même un tout petit peu ma bulle privée. Et puis après, pour d'autres mises en situation, beaucoup plus aussi terre-à-terre, c'est vraiment l'histoire des volets. Les volets, on en a presque tous chez nous, à moins que l'on vive en pleine combrousse, et même en vivant même en pleine combrousse, on a toujours en fait des volets. Donc, je leur demande un peu quelle est l'utilité des volets, pourquoi le soir chez eux, ils vont tirer les volets, outre l'aspect esthétique ou fonctionnel. Et assez rapidement, on va un peu venir sur des réponses comme quoi on n'a pas trop envie que le voisin, lorsqu'on va se brosser les dents ou se changer dans la salle de bain, puisse voir ce qu'on est en train de faire. On va aussi cacher ça. Et là, ils comprennent vraiment que tirer les volets, il y a quand même aussi un peu cette protection-là de leur environnement physique pour ne pas que les personnes à l'extérieur puissent voir un peu ce qu'ils sont en train de faire. Après ça, il y a un atelier que j'aime énormément, c'est vraiment l'atelier des mots de passe parce que... D'ailleurs, lors des chiotech, on parle énormément de la cybersécurité de manière générale, des ransomware. Et aujourd'hui, il y a un chiffre qui est quand même juste alarmant. Pas loin de 80% des cyberattaques ne sont que le fruit d'un mot de passe ou deux mots de passe qui ont été compromis. Et donc, à l'aide d'un tout petit peu de phishing, donc de mails frauduleux envoyés qui vont vous faire miroiter différentes choses. Et quand les personnes vont entrer leurs identifiants, on va récupérer leur mot de passe et ainsi de se connecter à leur place. Donc voilà, donc il y a vraiment un vrai atelier autour des mots de passe où on échange un peu pour eux qu'est-ce qu'un bon mot de passe, un mauvais mot de passe, et on essaie de faire ça avec vraiment des exemples très concrets pour leur permettre d'avancer. Et puis après, il y a un énorme bloc autour de la gestion de l'identité numérique. D'ailleurs, on en parle beaucoup encore en France avec la Poste et le ministère du numérique qui va lancer très prochainement un peu l'identité numérique, comme quoi on va avoir un seul point d'entrée pour se connecter, que ce soit sur les impôts, la CAF, tout ça. C'est bien, mais ce n'est pas bien. Enfin, en tout cas, enfin, moi, à certains connaissent un peu ma position là-dessus. Bref, voilà. Là, le but, c'est un peu de venir aborder tous ces sujets-là. Aussi, les sujets un peu comme TikTok, Insta, Snap, Facebook, Omegle, d'ailleurs, que très peu connaissent, mais qui est aussi une plateforme qui est assez violente pour moi. Et puis, avec aussi différents types de questions, on va un peu avancer. Mais à chaque fois, énormément de mises en situation, des mises en situation qui les ramènent finalement en fait à leur quotidien de lycéen, à leur quotidien de collégien. Et là, ça fait beaucoup plus tilt. Et ensuite, quand on parvient à faire ce parallèle-là, les choses deviennent beaucoup plus claires dans leur tête. Puis après, il y a aussi un peu toujours aussi cette question autour du phishing, autour un peu des arnaques, autour aussi un tout petit peu des images violentes de la vie privée avec le hameçonnage. Avec tout un tas aussi de petites images marrantes. Et d'ailleurs, certains d'entre elles sont directement tirées des campagnes qu'ont mené l'ANSI, Cybermalveillance ou encore Topito, qui est très, très populaire chez les jeunes. Et vient un peu pour moi la partie la plus critique de l'intervention, qui est le cyberharcèlement,
où là, après avoir passé déjà une petite heure dix, les langues en fait commencent totalement à se délier quand je demande tout simplement ce que peut évoquer le cyberharcèlement, s'ils ont déjà eu un peu des histoires dans leur environnement, enfin, ou eux-mêmes en fait déjà été victimes de ça et comment ils pourraient réagir. Et là, il y a énormément de choses qui ressortent. Et la seule chose que moi je vais faire, c'est de pouvoir recadrer le débat et surtout apporter deux, trois petits conseils. Et le conseil le plus important, c'est qu'il fallait absolument qu'ils aient dans leur entourage une personne de confiance à laquelle elles puissent librement et facilement aller lorsqu'ils sont un peu victimes de tout ça. Et surtout faire passer le message comme quoi ils n'étaient absolument pas victimes, même s'ils ont l'impression de l'être. Et le fait d'avoir honte, ce n'était pas du tout grave. Et bien au contraire, c'est parce qu'ils ne continueront pas à parler que les choses peuvent un tout petit peu empirer. Et puis après, je termine avec deux choses. Enfin, le antépénultième point, c'est de pouvoir un peu avoir, à ce moment donné-là de l'échange, un espace libre. Vous avez la parole, voilà, où chacun peut poser des questions, soit directement avec ce qu'ils ont vu, mais de manière plus générale aussi avec mon métier. Voilà. Et donc là, le but aussi d'aller dans les écoles, c'est de pouvoir aussi susciter... on va dire demain, de futures vocations, voilà, et puis un peu commencer à leur faire prendre conscience du cyberespace. Et je termine par une conclusion avec un cyberpacte et surtout des takeaways qu'ensuite j'envoie la plupart du temps à la direction, qu'elle puisse communiquer auprès des parents en disant bah, « Ok, aujourd'hui, votre enfant a eu ça pendant une heure et demie, voici un peu les points sur lesquels vous pourriez être un tout petit peu vigilant avec lui, mais aussi vous-même, en fait, vous sensibiliser. » Et je vais terminer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, par un petit aspect un peu plus technique qui vient aussi un peu en complément de tout ce que je peux faire très concrètement sur le cyberharcèlement. J'ai commencé à développer, on va dire, depuis le premier confinement, un petit outil qui me permet d'aller analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux à partir d'une phrase, à partir d'un hashtag la plupart du temps, ou d'un mot-clé, et qui va me sortir énormément de métriques, et je vous en mets qu'une seule qui, pour moi, me paraît très importante. La plupart du temps, il faut savoir que lorsqu'on va tweeter ou lorsqu'on va poster une photo ou commenter quelque chose sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, très, très, très peu souvent, on va utiliser qu'un seul hashtag. La plupart du temps, on va utiliser ce hashtag-là à coller à d'autres hashtags. Et le fait de pouvoir un peu savoir tout ce qui va graviter autour même de ce hashtag-là, ça peut donner énormément d'autres idées sur des signaux faibles, des signaux forts, et même parfois des choses... que l'on ne connaissait pas du tout. Et donc là, je vous ai mis une capture d'écran en prenant un peu le hashtag cyberharcèlement, tous les autres hashtags qui gravitent autour de ça. Et typiquement, il y a des choses un peu qui ressortent comme la loupe. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la loupe, mais moi, je ne connais pas. Et donc, en faisant aussi un peu après mes recherches, donc Michel Laloux aussi, c'est une personne qui poste énormément de choses. Et finalement, la justice, enfin, non plus, les personnes ont dû lui apporter une aide parce que certains pensaient qu'il n'était pas stable psychologiquement. Et voilà, donc on voit aussi qu'autour de ça, il y a aussi... ça qui sort, puis après il y a des choses un peu comme le harcèlement scolaire, Dina hélas, cette jeune fille qui est morte du cyberharcèlement, parce qu'il faut aussi le dire, peut-être que le cyberharcèlement aujourd'hui il tue. Puis après il y a aussi d'autres choses un peu comme Mavachou, ça je ne sais pas trop ce que c'est, les médias, la cyberlife, toute société, vomir numérique, voilà, donc tiens d'ailleurs, doxing, c'est trop drôle, parce qu'on voit aussi qu'avec le cyberharcèlement, on parle un peu du doxisme, combattre contre le cybersexisme, nous toutes. Donc, il y a aussi un tout petit peu aussi cette partie qui est quand même très militante, toutes ces associations-là aussi, qui essaient aussi à leur manière de sensibiliser peut-être un peu plus, et en particulier les femmes, qui peut-être seraient plus victimes de tout ça. Et ce sera ma dernière slide, je vais m'arrêter là pour pouvoir donner la parole ensuite à Madame Rambaldini et puis aussi à l'audience pour qu'on puisse aussi échanger un peu plus tard. Exactement. Très bien. Merci Clément, vous êtes dans les temps aussi. Petite question, quand vous avez discuté avec ces jeunes, là, cette génération Z, cette Gen Z ou Gen Z comme on appelle, est-ce que ce sont des personnes qui s'habituent au harcèlement en disant « bon, ok, ça va arriver ». Est-ce qu'ils savent comment réagir quand ils sont victimes de harcèlement ? Est-ce qu'ils sont totalement dépassés ? Ce qui en sort de manière générale, c'est que contrairement à ce que l'on croit, juste l'effet de les entendre, on se rend compte déjà qu'ils savent beaucoup de choses. La seule différence, c'est que parfois, ils n'ont pas soit les codes, ou soit ils sont, d'ailleurs, un terme aussi que j'utilise beaucoup, ils sont totalement désensibilisés parce qu'ils croient que c'est la norme, ayant grandi aujourd'hui finalement dans le numérique, donc ils ne savent pas comment réagir par rapport à ça. Et il y a aussi, en tout début, je pense en introduction, Christophe, vous disiez aussi, il y avait
Je ne sais pas à qui vous posiez la question, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un peu cette notion d'appartenance ou un peu, on va dire, d'entrer dans un groupe. Et donc forcément, qu'on voit un peu le copain ou la copine qui va envoyer le soir des messages ou repartager, si on veut un peu faire partie de ce groupe-là et ne pas à son tour être exclu, on va aussi un tout petit peu le faire. Mais quand on commence un tout petit peu à discuter de tout ça en disant bah non, si tu le fais, tu es peut-être toi-même, en tout cas tes parents peuvent être aussi responsables, on se rend compte qu'on commence concrètement, comme son nom l'indique, à les sensibiliser et peut-être petit à petit à changer leur point de vue, leur vision et surtout leurs agissements dans le futur. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème parce que nous, les parents, nous sommes des boomers, des Gen X, on n'a pas été habitués à Internet, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne peut pas éduquer nos enfants, on ne peut pas leur dire ce qui est bien et pas bien. Est-ce qu'il faudrait aussi une éducation aux parents à ce moment-là, mais c'est peut-être un peu trop tard? Superbe passe décisive, Christophe. C'est un point aussi dont je voulais un tout petit peu discuter, mais beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, il y a aussi un vrai blind spot, on va dire quelque chose qui est totalement... en dehors des radars, c'est que la plupart du temps, on va faire une sensibilisation axée vers les enfants, mais on oublie que les parents eux-mêmes, la majeure partie aujourd'hui, les parents soit mon âge ou soit même un tout petit peu plus âgés que moi, mais finalement, eux-mêmes ne savent pas comment réagir par rapport à ça. Et donc, si d'une part, on se met juste à sensibiliser les enfants, mais que les parents ne sont pas associés à cette démarche-là, ça va être très, très, très compliqué de faire changer. Et d'ailleurs aussi, je commence aussi un peu à prôner dans ces sessions de sensibilisation-là, un peu, on va dire, des sessions conjointes où parents et élèves se retrouvent pour être sensibilisés ensemble et surtout pour ensuite avoir les bons cybergestes. Si je peux juste réagir à ce que disait Clément par rapport à la sensibilisation des parents, c'est quelque chose qui est prévu justement par la proposition de loi qui a été faite. Le fait chaque année de sensibiliser, de faire une réunion, une formation de sensibilisation auprès des parents pour un petit peu leur expliquer comment réagir si leur enfant est cyberharcelé, quels signes voir, mais aussi comment réagir si leur enfant est lui-même acteur et auteur de cyberharcèlement. Donc, espérons que ce soit maintenu, justement, cette disposition-là, pour vraiment sensibiliser tous les acteurs qui gravitent autour de l'école, que ce soit les enseignants, mais aussi les parents, en effet. C'est quelque chose qui est primordial aujourd'hui. J'aimerais d'ailleurs, je suis désolée, j'avais plus la main tout à l'heure, donc me revoilà. Ça, c'est un point vraiment fondamental, hein, le rôle des parents. Il y a aujourd'hui un sentiment qui n'est pas le bon de la part des parents, sous prétexte, effectivement, pour certaines générations, de ne pas être aussi impliqué dans le numérique, de ne pas être inscrit sur les réseaux sociaux, de ne pas connaître le numérique comme ils ont l'impression effectivement que leurs enfants le maîtrisent. C'est pas forcément prendre le sujet par le bon bout. C'est évident, on ne fera jamais de génération antérieure des gens aussi impliqués, on ne les fera pas aller sur TikTok, on ne les fera pas aller... passer leur temps effectivement sur YouTube. Et c'est pas ce qu'on est censé faire en tant qu'accompagnant sur la lutte contre le cyberharcèlement. Il faut quand même leur redonner leur rôle de parent. Le parent, il est là pour être là, justement, être présent, être ce phare, hein, cette vigie permanente. Il est là pour instaurer un dialogue. Et peu importe qu'il soit un cador en nouvelle techno, ce n'est pas le sujet. Il faut que les enfants aient l'habitude de cette confiance avec leurs parents, de discuter, d'instaurer un vrai dialogue avec leurs enfants. Et c'est ça qui compte. Parce que ce qui compte, c'est le jour où quelque chose tourne mal, il faut que l'ado ou l'enfant aille vers ses parents. C'est ça le point culminant. Et nous, on dit souvent, effectivement, puisqu'on organise quand même pas mal d'ateliers, justement, enfants-parents, il ne faut pas avoir cette démission sous prétexte de ne pas se connaître, de ne pas s'y connaître en informatique et de se dire, ben voilà, je lève le crayon. De toute façon, il s'y connaît plus que moi, donc je ne me mêle pas de ce qui se passe. Non, ça, ce n'est pas effectivement un bon réflexe.
Il faut effectivement instaurer ce dialogue, demander assez régulièrement à ses enfants ce qui s'est passé aujourd'hui, que ce soit à l'école ou en ligne. Hein, c'est tout aussi important. Et d'être ce point de vigie, de leur demander systématiquement des points de situation comme ça. Après, on pourra en reparler, mais aussi d'instaurer des chartes. Famille, il y a par exemple une association qui s'appelle Tralaler qui vous propose aujourd'hui une application pour créer une charte numérique, une charte à la maison, voilà, où on demande aussi, mine de rien, aux parents de faire des efforts. Pourquoi ? Parce que les enfants nous imitent, il ne faut pas l'oublier. Donc, si nous-mêmes, nous passons notre temps devant nos ordinateurs, il ne faut pas s'étonner après que nos enfants fassent de même. Donc ça, c'est quand même un point qu'on oublie le plus souvent. Mais les premiers à discipliner, c'est effectivement nous, hein, parents, enseignants. On a aussi des remontées, malheureusement, dans les écoles d'enseignants aussi, qui regardent souvent leur téléphone. Voilà, ça, c'est une autodiscipline à avoir. Et je pense effectivement que ça commence par là. Et j'aimerais aussi rebondir, parce qu'il y avait une question très intéressante sur la façon dont réagissent les jeunes. On vient de rédiger donc, avec Lisa France un ouvrage qui s'appelle Envie de cyber. Cet ouvrage, c'est effectivement un guide de survie numérique hein, pour les 15-30 ans. Et dans cet ouvrage, justement, on n'a pas voulu le faire comme ça, aller balancer nos petits conseils bien gentils à cette population. On voulait avant discuter avec cette population, essayer de bien comprendre comment ils fonctionnent, de quoi ils ont besoin. Et on a été assez surpris, je dois dire, par effectivement certaines réactions vis-à-vis des violences sur Internet. Alors, il y a effectivement des contenus choquants auxquels ils sont particulièrement exposés et qui fait que on a des situations, comme le disait Clément, de désensibilisation. Ça touche effectivement un certain nombre de personnes. Mais sur les violences entre eux, non, on ne peut pas dire qu'ils s'y habituent. Et je dirais même que ça provoque chez certains, qui sont un peu geeks dans l'âme, des réactions assez fortes, comme de se faire justicier eux-mêmes et d'aller à la recherche, parfois, souvent... en dehors des règles légales, et d'aller faire justice eux-mêmes. Ça part d'un très bon sentiment, mais là aussi, il faudrait justement se servir de ça peut-être pour faire évoluer, et c'est ce qu'on a fait dans Envie de Cyber, ces jeunes gens, justement, vers des métiers de la cybersécurité, vers de l'investigation numérique, et tous les métiers qu'on peut avoir, parce que Dieu sait qu'on en a besoin en termes de policiers ou de techniciens informatiques, notamment en gendarmerie. Donc voilà, ça c'est un fait assez important. Non, ils ne s'habituent pas et ça les choque. Et du coup, il y a des réactions. Et ça aussi, ce sera un sujet qu'il faudra traiter un de ces quatre. Merci Diane. Beaucoup, beaucoup d'informations, détection, prévention, sanctions, sensibilisation, beaucoup de mots. Là-dessus, on va essayer de continuer à ce moment-là avec vous. Hein, et puis, je vous donnerai la parole, à moins que Jeanne et Clément vouliez rebondir sur quelque chose de Diane. Sinon, on va... Alors, continuons à ce moment-là. On parlait du visage du cyberharcèlement. Une définition, il y a une espèce de profil du cyberharceleur ou du cyber méchant. Eh bien, voilà la réponse. Oui, c'est un joli visage. Alors, il faut effectivement se poser la question suivante. Et je voulais commencer aussi par ça, justement, le cyberharcèlement a-t-il un visage ? Parce que ça devient un sujet un peu, malheureusement, un peu tarte à la crème, un buzzword qu'on sort assez souvent parce que ça fait bien, qu'on essaye d'encadrer par tous les moyens, et ça, c'est plutôt positif. Ça devient un sujet, en plus, dont le politique s'intéresse, et ça, on va pas le regretter, bien au contraire. Mais il faut bien se dire que ce petit garçon-là que vous avez devant vous,
Ça peut être aussi bien un petit garçon victime qu'un petit garçon auteur ou encore un petit garçon témoin. Et je voulais commencer, alors, sans tomber dans le pathos, hein, c'est pas l'objet, mais vous raconter une petite histoire. Nous, on intervient donc avec l'ISA France énormément en établissement scolaire. Et on n'est pas forcément préparé à la tournure que peut prendre effectivement le cyberharcèlement. On a un fil conducteur qu'on déploie du primaire jusqu'au lycée, mais de façon évidemment tout à fait différente. Et on parle effectivement des violences en général, et notamment du comportement que les enfants doivent avoir en ligne. Et bien évidemment, on aborde la question à un moment donné du cyberharcèlement. Et c'était lors d'un des... parmi les premiers ateliers qu'on a fait en classe de CM1. On est toujours deux, pour qu'il y en ait un aussi qui regarde ce qui se passe un peu dans la classe. Et il y avait un petit garçon qui nous observait depuis un moment, qui écoutait religieusement ce qu'on disait. Et puis, d'un seul coup, au moment où on a commencé à parler de cyberharcèlement, on l'a vu serrer les poings et se mettre comme ça, la tête enfoncée dans les épaules. Et il s'est relevé d'un seul coup. Et là, je vous avoue que je n'oublierai jamais ce visage pour le restant de mes jours. Et ce petit garçon nous a parlé pendant 5 minutes, du haut de ses 10 ans, des 3 ans de cyberharcèlement qu'il avait vécu. Voilà, c'est ça. C'est ce... prendre en pleine figure, c'est ça le cyberharcèlement, un petit bonhomme du haut de ses 10 ans qui vous raconte qu'il a en fait vécu, parce que ça reste, c'est ça, hein, cyberharcèlement, c'est une expérience, avant d'être des lois, avant d'être des mots, c'est une expérience, c'est plutôt une descente aux enfers. Et ce petit bonhomme voilà, nous raconte que c'était parti de quelque chose de très anodin, d'un club de sport qu'il fréquentait, dans lequel il était très, très bon, qui s'est retrouvé effectivement avec des jeunes gens plus âgés que lui, que ce groupe a voulu constituer un groupe de messagerie instantanée pour discuter et puis pour préparer un certain nombre de choses, et que ce petit bonhomme qui n'avait pas de portable a demandé à sa maman d'en avoir un pour installer effectivement cette messagerie. Et puis là, ça a été le début des catastrophes. Et 3 ans non-stop de cyberharcèlement jusqu'à finir à son hospitalisation. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que on peut prévoir, et on prévoit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de lois, on prévoit des numéros, on prévoit beaucoup de choses, mais il faut pouvoir le repérer. Et le cyberharcèlement, il prend souvent ce visage-là, c'est-à-dire des enfants qui, malheureusement, ne vous donnent pas du tout l'impression d'être harcelés. Et ce sont souvent les parents qui sont les premiers surpris que leur enfant soit victime de cyberharcèlement. Ça, c'est un fait, hein, on le voit beaucoup. Et c'est pour ça que l'école a vraiment... un rôle absolument stratégique dans ce repérage. Pourquoi ? Parce qu'en plus, on a un harcèlement qui prend forme souvent à l'école, mais qui effectivement s'amplifie sur les réseaux sociaux. Comme le disaient Clément et Jeanne, il y a en plus des sentiments très contradictoires chez les enfants qui naissent, à commencer par une honte, et surtout... un sentiment de ne pas vouloir dire ce qui leur arrive parce qu'ils ne l'acceptent pas. Et vous posiez la question tout à l'heure à Clément de dire comment s'entraînent un peu les enfants entre eux, qui commence et comment ça se fait. Et il faut savoir qu'au-delà de l'effet de groupe, généralement, on a des enfants qui sont auteurs et qui deviennent témoins et auteurs après. Pourquoi ?
Non pas qu'ils ont envie de, effectivement, de mener la vie dure à leurs camarades, mais c'est surtout pour une raison assez simple, c'est que la vue de leurs camarades harcelés est tellement insupportable qu'ils préfèrent se mettre du côté de celui qui harcèle. Et ça, c'est un mécanisme effectivement très, très important qui malheureusement est assez fréquent. Et c'est bien pour ça, et j'en reparlerai dans quelques minutes, c'est bien pour ça qu'on a un programme donc, de l'éducation nationale hein, qui va vraiment mettre au cœur de cette politique de prévention les enfants eux-mêmes, hein, pour en faire des ambassadeurs. Donc, on a effectivement aujourd'hui un véritable éveil justement de l'éducation nationale, puisqu'on sait que ce n'est pas forcément dans son foyer que l'enfant victime va être repéré, d'ailleurs qu'il soit victime ou auteur en l'occurrence, et c'est surtout à l'école que les choses vont se faire. Et c'est pour ça que pendant longtemps, on s'est retrouvé dans une situation assez pénible. Et Jeanne l'a dit, hein, c'est quelque chose de très nouveau, hein, tous ces protocoles, puisque longtemps, l'éducation nationale n'a pas voulu s'occuper de ce problème. Alors certainement parce que déjà, l'éducation nationale ne s'est peut-être pas rendue compte de son ampleur et puis de sa croissance très importante. Mais aujourd'hui, vraiment, alors, autant on pouvait leur reprocher de ne rien faire, autant aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont effectivement mises en place. Et quand on lit ça, ce que je vous ai mis, cette petite capture sur le site de l'Éducation nationale, qui dit bien que les enseignants ont un rôle fondamental à jouer hein, dans la transmission des valeurs liées à un usage responsable d'Internet, on se dit effectivement que de l'eau a coulé sous les ponts. Donc, on a aujourd'hui un dispositif de l'éducation nationale qui a été mis en place. Vous avez non au harcèlement, donc ça, c'est tout un programme. C'est le site Internet et il y a un tas de… En fait, c'est toute la politique hein, de l'éducation nationale qui s'appelle non au harcèlement. Ça va de la définition du cyberharcèlement à la façon de repérer effectivement comment ça se passe, et puis les programmes de prévention, et notamment le programme de prévention phare qui est tout nouveau. Donc, c'est ce que je vous disais, ils ont notamment mis en place un système en fait, d'ambassadeurs. Et là, c'est vraiment mettre les élèves au cœur du dispositif de lutte contre le cyberharcèlement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir nommer dans les établissements scolaires des enfants qui deviennent ambassadeurs, alors parce que déjà, ils en éprouvent effectivement le besoin, mais ce sont des élèves qui sont formés à ça. Et finalement, il n'y a pas mieux, parce que c'est eux qui sont hein, dans leur classe, c'est eux qui connaissent leurs copains, qui voient, qui sont finalement les mieux placés pour repérer les signaux faibles du harcèlement. C'est eux qui sont sur les réseaux sociaux et qui vont être les premiers informés de cas qui débordent, et pas forcément de cyberharcèlement tout de suite, hein, il n'y a pas forcément des répétitions, mais toute violence, des méchancetés, des moqueries. Voilà, et bien tout ça, effectivement, l'élève ambassadeur va pouvoir remonter ce genre de situation. Donc ça, c'est effectivement un des premiers systèmes qui avait été mis en place. Et nous avons également des référents de non-harcèlement, alors là, qui sont effectivement des adultes, hein, des personnels totalement formés pour ça et qui vont justement servir un peu de relais. Hein. Ça va être un peu les transmetteurs entre finalement les parents, les établissements, voire les plateformes qui s'occupent d'accompagner les victimes. Et ça, on a 337 référents aujourd'hui en France. Et je vous ai mis par exemple le numéro du référent de La Réunion. Numéro qui est tout à fait,
applable, donc partout, hein, il y en a effectivement sur tout le territoire, quand on sent qu'il y a une situation de cyberharcèlement. Alors, il faut savoir que les parents, quand ils sont, enfin, quand ils réalisent qu'il y a un problème, c'est souvent déjà que la situation a pris une tournure assez grave. Et donc, nous, on a souvent des parents qui nous contactent parce qu'ils sont un peu désespérés. Ils vont sur Internet, ils tapent, ils essayent de trouver de l'aide. Et c'est vrai que ce sont des dispositifs qui sont encore très méconnus hein, des parents. C'est tout neuf. Donc, il faut, ça, c'est important, pouvoir en faire la publicité. Et finalement, de la même façon... qu'on a des spots TV pour la prévention contre le Covid, eh bien, ce serait bien aussi de faire ce type de prévention et d'appliquer, de montrer un peu comment marchent tous ces dispositifs. Donc, le système est assez... le process est assez simple. Hein, on demande effectivement à des témoins et a fortiori aux parents hein, de prévenir donc, les chefs d'établissement. Déjà pour qualifier aussi la situation et ça c'est pas Jeanne qui dira le contraire hein. Il est important de pouvoir qualifier une situation, surtout s'il y a une plainte donnée à la fin. Il faut voir si on est vraiment dans un cas de cyberharcèlement ou si on est dans un cas de simple insulte si je puis dire ou d'un fait, on va dire, qui est circonscrit dans le temps, hein, qui n'a pas un caractère répété. Donc ça, c'est important. Et il faut toujours associer l'enfant, hein, lui demander effectivement ce qu'il veut aussi dans cette démarche. Ce qu'on oublie un peu trop souvent, c'est l'enfant victime. Il faut aussi pouvoir lui demander quelle tournure il veut que ça prenne et du moins l'associer toujours effectivement aux échanges. Si effectivement on n'a pas d'écho de la part des chefs d'établissement, parce que ça peut arriver, parce que tous les établissements ne sont pas encore montés en compétence sur ces sujets, on peut appeler donc les numéros nationaux, hein, des numéros verts, qui sont vraiment de véritables assistances. Donc, je vous parlais des référents de son académie, mais on peut aussi appeler le 3020 ou le 3018 qui est dédié effectivement au cyberharcèlement et à toutes les violences, mais numériques. Donc, c'est l'association Y en France qui gère NetEcoute, hein, cette plateforme d'aide, qui va généralement aussi vous expliquer un certain nombre de démarches. Donc, on va dire que même si on se retrouve face à une situation d'établissement qui ne joue pas le jeu ou qui n'est pas encore formé à cette situation, voilà, ces plateformes peuvent tout à fait vous assister. Et tout dernièrement, l'Éducation nationale a sorti son programme phare, hein, qui est un gros programme de lutte, notamment qui a commencé en 2021, qui est un plan de lutte contre le cyberharcèlement et qui, là aussi, hein, permet effectivement d'intégrer cette prévention dans tous les établissements avec, en mettant, si vous voulez, l'accent sur l'aspect collaboratif de la démarche, que ce soit notamment le fait d'inclure les élèves, hein, nos fameux ambassadeurs, hein, puisqu'il y en a 22 900 aujourd'hui sur le territoire, ce qui est quand même pas mal. L'idée, c'est d'avoir jusqu'à 10 élèves ambassadeurs par établissement. Et puis, d'avoir aussi toutes les instances de santé, celles qui s'occupent aussi effectivement de la vie scolaire. On a aujourd'hui des comités de vie citoyenne dans les collèges et dans les lycées. L'idée, c'est d'impliquer effectivement toutes ces structures pour parler de cyberharcèlement et essayer finalement de repérer les choses au plus tôt et de pouvoir agir comme il se doit. Alors, on voit bien que tous ces dispositifs sont plus... On espère que ce soit dans la prévention, mais on sait par expérience que ce sont plutôt... Quand on a qualifié déjà effectivement le cyberharcèlement et qu'on agit donc en aval, et de la même façon donc que Clément vous a présenté son programme, donc son permis cyber,
Nous, à l'ISA France, on a effectivement une démarche vraiment que promeut aussi Shafik depuis des années, et c'est l'occasion aussi de le remercier d'avoir été un ambassadeur depuis toutes ces années sur nos ressources. Donc, il faut effectivement faire un maximum de prévention. C'est absolument capital, que ce soit de la prévention auprès des enfants ou bien des parents et des personnels. Et on voit que les demandes d'ailleurs d'ateliers sont de plus en plus prégnantes. On voit effectivement qu'il y a ce besoin qui se fait sentir. Donc, nous, on fait des ressources pédagogiques comme par exemple le cahier de vacances les As du Web, qui a d'ailleurs été traduit en cette langue et qui traite du cyberharcèlement, mais parmi finalement bien d'autres sujets. On fait également pas mal d'interventions scolaires, on fait des distributions publiques, que ce soit dans les aéroports, avec Aéroport de Paris ou encore dans les gares. On fait quand même pas mal d'actions terrain, puisque c'est ça qui compte aujourd'hui. Mais on a surtout une revendication, parce que c'est vrai que du haut de nos âges, souvent, on fait cette dichotomie entre vie réelle et puis vie virtuelle. Sauf que les enfants qu'on a en face de nous ne font plus forcément cette distinction. C'est un tout mêlé. Et parfois, on n'est pas toujours très cohérent quand on s'adresse à eux. On leur demande constamment de passer moins de temps sur les écrans, ce qui, en fait, ne veut absolument rien dire, déjà, alors que l'école est en pleine transition, par exemple, numérique, digitale, et qui passent leur temps à non plus être devant des ardoises et des grands tableaux noirs, mais plutôt devant des tableaux blancs interactifs. Et c'est vrai qu'il faut leur parler à notre sens de tous ces sujets, mais finalement parmi tant d'autres. Et ça n'a pas forcément de sens, effectivement, de sortir le numérique à chaque fois de tout, notamment le parcours citoyen que les enfants suivent aujourd'hui tout au long de leur scolarité, puisque ça va de l'école primaire à la terminale. Le parcours citoyen, c'est effectivement un tas de conférences, de grands sujets qu'on connaissait, nous, sous la bannière éducation civique à l'époque. Eh bien là, ils suivent un certain nombre de choses, comme par exemple l'égalité homme-femme. Eh bien, l'égalité homme-femme, ce serait par exemple l'occasion de leur parler du revenge porn. Pourquoi ? Parce que c'est complètement lié. Leur vie ne s'arrête pas au réel. Eux, elles continuent en permanence dans le virtuel. Donc, leur parler d'égalité homme-femme, c'est aussi faire un focus sur, par exemple, le revenge porn, et de dire, bah non, on ne partage pas les sextapes qu'on a pu faire ensemble à tout le monde. Voilà, c'est une de nos revendications. Et je pense que, finalement, injecter dans tous ces grands sujets de civisme aussi, il y aurait peut-être moins effectivement de violence sur Twitter si on faisait un peu plus de civisme au quotidien. Voilà, c'est faire toujours effectivement ce prolongement dans le réel. Voilà, j'étais un peu longue, je suis désolée. c'est très intéressant. On a exploser les compteurs. Je pense que c'était important qu'on discute tous les quatre, même avec tout le monde, de tout ce cyberharcèlement. On a appris beaucoup de choses. Malheureusement, on est à la fin pour ça. Je pense qu'on va pouvoir partager, je ne sais pas si on peut partager les présentations, vous nous direz. En tout cas, on a aussi des demandes de partager vos connexions, parce que les gens veulent continuer à discuter avec vous. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là, que ce soit au niveau législatif, au niveau éducation, au niveau prévention, au niveau détection. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup de choses comme ça. Je vais vous demander juste 30 secondes à chacun des intervenants pour essayer de résumer ou de dire en une seule phrase, voilà ce qui importe, voilà ce qu'il faut retenir à toutes les personnes qui écoutent du cyberharcèlement, voilà ce qu'il faut porter en main et voilà le futur pour le cyberharcèlement. Alors, j'aimerais vous démarrer avec vous à ce moment-là, Diane.
Eh ben, allez. Moi, je terminerai par dire que il faut absolument se dire qu'on n'est jamais assez nombreux pour lutter contre le cyberharcèlement, et absolument toutes les initiatives qui pourraient être faites sont de bon ton hein, pour lutter contre ce fléau qui, rappelons-le, détruit des vies, hein, faut pas l'oublier, et même sans aller jusque-là, ça fait des dégâts, des lésions à vie. D'ailleurs, il suffit de regarder le nombre d'associations qui ont été faites par des jeunes cyberharcelés, comme Hugo, par exemple, et tant d'autres. Voilà, donc je pense qu'il faut se mobiliser et toutes les initiatives seront les bienvenues. Et là, petit appel, si des gens veulent rejoindre notre communauté de volontaires, ben, ce sera avec grand plaisir. Très bien, on postera peut-être plus tard les informations hein, pour vous rejoindre directement. Clément, finir ce cyberharcèlement en 30 secondes. Moi, je parlerai plus de l'aspect peut-être technique, parce que ce sera aussi un des grands enjeux dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, comment on peut mettre en place des plateformes plus respectueuses de la vie privée des gens, des plateformes qui puissent protéger les petits garçons, les petites filles, mais aussi des femmes et des hommes qui sont victimes de ça, qui ne savent pas comment se défendre et comment, vu qu'on est aussi un tout petit peu dans cette, en tout cas là, dans le cadre un peu des chiots avec Days, il y aura en tout cas pas mal de personnes qui sont techniques, comment on peut réfléchir ensemble à notre niveau pour commencer à mettre en place aussi des solutions pour contrer le cyberharcèlement. Merci Clément. Least but not last, comme on dit en anglais, Jeanne, on va continuer avec vous. Le côté légal, le côté investigation numérique en 30 secondes, le cyberharcèlement, le futur. Moi, je dirais, alors, au-delà du côté légal, juste en parler. On parlait énormément de prévention, ben voilà, essayer de sensibiliser au maximum, en parler autour de soi, ne pas avoir honte si jamais on vit du cyberharcèlement, contacter des associations qui font un travail formidable justement pour aider les victimes, se dire que dans la situation où, si jamais on vit du cyberharcèlement et qu'on contacte une association, ils voient tous les jours des victimes, donc ce n'est pas quelque chose qui va les choquer. Il ne faut pas hésiter à en parler aussi à son entourage, même si on n'en vit pas. Et pour moi, c'est ce qui est primordial aujourd'hui, c'est vraiment de faire de la prévention au maximum et sensibiliser un maximum les jeunes publics. Merci Jeanne. Je ne sais pas si Chafik, on a le temps pour des questions, ou il faut... Le temps, c'est le temps, comme on dit à la radio. J'active mon micro. Non, je suis là, j'écoute. Il y a quoi ? Il y a Iclas qui a récupéré des questions. Iclas, comme beaucoup d'enfants adolescents, consomme du YouTube, Twitch animé par des influenceurs. Faudrait-il pas que les associations de lutte contre le cyberharcèlement et même l'État fassent appel à ces influenceurs pour échanger avec les jeunes plutôt que des enseignants ou d'autres enfants ? L'impact serait plus fort, non ? Allez-y, Diane, on vous voit. Vous trémoussez, vous avez envie de parler. Allez-y. Parce que je viens de répondre sur le chat. Eh bien, écoutez, d'accord. Pour tout dire, je ne peux être que d'accord. Et ce sera d'ailleurs notre mission sur cette année 2022 à l'association. Nous aimerions effectivement entrer en collaboration avec un certain nombre d'influenceurs. Alors, il en existe hein, déjà, comme par exemple le roi des rats et bien d'autres hein, qui font de la vulgarisation aussi informatique. Voilà, c'est sûr qu'on aimerait effectivement avoir des influenceurs qui ne font pas du tout dans ce domaine-là, qui sont dans la mode, dans autre chose et qui peuvent parler de ce sujet. Et effectivement, je trouve que c'est une excellente idée. Ouais, il y a une dernière question de Sébastien. Seb Mekal, tu peux poser ta question. Oui, merci. Alors, je vais essayer de m'exprimer. En fait, on a beaucoup parlé du côté cyber, mais est-ce que finalement, en fait, le harcèlement, il ne commence pas avant, parce que on a tous été des enfants et on a tous été, enfin, moi, en tout cas, j'ai vécu des expériences quand j'étais plus jeune, et je pense qu'aussi,
Bah, comme beaucoup d'enfants, avoir été quelquefois un peu cruel. Et en fait, la question que je me posais, est-ce que tout commence pas, en fait, je dirais, avant le cyber, en fait, est-ce que le problème, il n'est pas plutôt en amont, plutôt humain et voilà, enfin, c'est juste pour savoir ce que vous en pensiez. Jeanne, je pense que c'est pour moi, c'est un vrai problème, malheureusement, d'éducation. Comme je disais tout à l'heure, déjà, au niveau du cyberharcèlement particulièrement, il y a un peu cette, comment dire, il y a un peu cette distance qui est prise et on a l'impression, finalement, de ne pas faire de mal à une personne. On ne se rend pas compte, finalement, qu'il y a une personne derrière l'écran. Et comme vous le disiez dans votre question, finalement, c'est en amont. Il y a un problème d'éducation, le fait de pas peut-être être sensibilisé à tout ce qui va être plus empathie, le fait de se rendre compte de la portée de ses actes. Aujourd'hui, c'est peut-être un travail à faire auprès des jeunes, essayer un petit peu de les sensibiliser à ce niveau-là et d'être plus dans l'acceptation de l'autre plutôt que dans le fait de soulever les différences et de conduire potentiellement après à du harcèlement à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'étais très claire dans ma réponse, mais... Je pourrais peut-être juste rajouter un petit point. Je pense effectivement qu'il y a une double situation. Les premières qui naissent dans la vie bien réelle et qui se prolongent effectivement sur Internet. Après, on a aussi des cas qui commencent de toute façon sur Internet. On a effectivement des raids aussi, hein, parfois, ce qu'on appelle des raids numériques. Des personnes s'en prennent à des personnes peut-être plus ou moins connues, comme c'est arrivé par exemple à Lola Dubini, qui a vécu plusieurs attaques assez rudes. Ce n'est absolument pas né dans la vie réelle. Hein. C'était purement numérique. On a de toute façon, hein, c'est la représentation du réel. Il y a de toute façon des personnes qui se sentent tout permis sur les réseaux sociaux, qui se cachent. Alors, ceci étant, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne trouve pas effectivement que le fait d'obliger à mettre les identités de tout le monde soit la solution et loin s'en faut. Ça, c'est un faux problème. On peut toujours remonter effectivement aux auteurs. Hein. On peut souvent remonter aux auteurs quand on veut. Et voilà, il y a aussi un problème d'éducation et puis de culture numérique. Nous, on se rend compte que tout le monde ne n'est pas forcément cyberharceleur. Sauf que on a aujourd'hui une impression que les jeunes sont hyper doués dans le numérique. Bah, c'est faux. Ils sont doués avec les outils, peut-être, mais je peux vous dire qu'en termes de culture numérique, c'est un vrai désastre. Ils n'y connaissent rien. Ils ne savent absolument pas comment est construit le numérique. C'est limite, d'ailleurs, s'ils savent vous dire... vous donner une définition d'Internet. Ils ne sont absolument pas conscients que les applications peuvent être dans des pays divers. Ils n'ont aucune perception non plus de la géopolitique du numérique, comment ça fonctionne. Ils ne connaissent absolument pas les droits auxquels les applications se réfèrent. Tout ça, c'est complètement stratosphérique pour eux. Donc, je pense, et ça, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je pense aussi qu'on évitera un certain nombre de situations par méconnaissance quand on donnera beaucoup plus de sensibilisation et peut-être qu'on injectera de la culture numérique au sein même des programmes scolaires. Et ça, c'est vraiment ce dont on... C'est vraiment un point d'action important. Il faut injecter un peu de culture numérique et pas seulement en sciences techno. Hein. Il faut penser à demain. C'est demain. C'est comme ça que ça va être.
Merci Diane, merci Jeanne, merci Clément. On a fini cette discussion pour l'instant. On va, comme on le disait, on va donner aux personnes qui écoutaient vos contacts pour pouvoir vous contacter et peut-être même travailler, vous aider. Plein d'informations, plein de choses à réfléchir. Chafik, on va conclure là-dessus, sinon on pourra en parler des heures et des heures. Je sais qu'il va falloir qu'on parle de ce qui se passe demain. On va parler du quiz, donc je te donne le bâton. Et je vous Merci. Remercie encore tous les trois. Ouais. Moi, j'ai appris énormément de choses. Merci. Merci tous les quatre. Merci Christophe pour avoir animé cette session. C'est clairement un enjeu pour effectivement pour l'avenir, pour nos enfants. Donc il faut, on va continuer de toute façon à en parler. En tout cas, ça sera toujours un thème du chez Tech Days. Peut-être on verra comment continuer à sensibiliser sous d'autres formes. Mais en tout cas, un grand merci à Diane, merci à Jeanne et merci à Clément pour leur disponibilité. Et effectivement, je voudrais dans un premier temps c'est vous donner les rendez-vous pour demain, parce qu'on a encore une très très grosse journée. On commence direct avec Monsieur Seyfala Tagrerout et Jean-François Préa qui vont nous parler de cloud hybride et du Zero Trust. Donc c'est dès 9h heure métropole, mais comme c'est samedi, il n'y a pas de souci. Vous levez et vous serez là. Ensuite, il y a Nadia Falk qui va enchaîner, qui va parler donc de gestion de la sécurité des biens. On va avoir une super conf sur la lutte contre l'usurpation d'identité. Et vraiment, je vous recommande parce que j'ai dû négocier avec Christophe, un autre Christophe d'ailleurs. Hein, il y en a plein là sur le chef de Diaz. Christophe Dary et Yazid Akon. Qui seront là demain pour animer cette session sur l'usurpation d'identité. Vraiment, je vous recommande d'être là. Ensuite, donc, on va passer au trio magique Hakim, Clément et Sofiane qui vont nous parler de Ritex sur Microsoft Sentinel. Donc, Sentinel, hein, le CIEM SOC de Microsoft. Mais vraiment en partie Ritex, c'est pas que de la théorie, c'est vraiment un retour d'expérience. Ensuite, on va donner la parole à un réunionnais, c'est Dimitri Smith, monsieur Apple, qui va nous parler de développement sécurisé du langage Swift. On aura une très très grande dame de spécialisée en record management je vous conseille d'être présent, qui va parler d'archivage. Donc c'est à la fois ça va concerner la protection des données, mais bien sûr ça va concerner aussi la cybersécurité. Comment donc l'archivage peut être un auxiliaire fiable de la cybersécurité. Hamza qui était présent aujourd'hui sur pas mal de confs animera une session sur sur le hardening, le durcissement de l'Active Directory, et on finira par une table ronde animée par Monsieur Théodore Chabat, CISO de Transdev. Avec deux spécialistes, d'ailleurs, les Réunionnais, j'espère que vous serez là. Mécal, tu seras content. Monsieur Michael Vergoz sera là, anciennement DG de BinarySec. Et on aura aussi Raphaël Mounier, directeur technique de F5, pareil, qui a monté pas mal de boîtes. Les deux sont Réunionnais et ils vont venir vous parler justement de prise de conscience encore du dirigeant face aux menaces cyber. Voilà, donc un programme qui est encore très très riche, donc dès 9h du matin, soyez présents, il y a plus de 1200 inscrits, j'aimerais bien vraiment demain, il n'y a pas d'excuses, qu'on soit très très nombreux à suivre ces calls et à réagir et à profiter au maximum de ce partage de compétences. Tout de suite, donc, je vous demande de rester connectés parce que donc, là c'est place au quiz et même les intervenants vous pouvez jouer à part Diane. Mais sinon, les autres, quoique même Diane aussi, elle peut jouer aussi. Mais si elle fait partie du podium, elle va donner son lot à quelqu'un parce que c'est elle qui, grâce à elle, qu'on a eu les cadeaux, c'est-à-dire les livres de sensibilisation en vie cyber. Donc, le quiz va se passer sous Kahoot. Donc, il suffit que vous preniez votre téléphone, tous ceux qui sont dans la salle, là, vous connectez sur kahoot.it ou via l'application. Vous avez l'adresse là-haut. Et ensuite, vous rentrez le pseudo, le code PIN, là, 703-69-97. Et s'il vous plaît, vous rentrez bien votre prénom et nom de famille, s'il vous plaît, parce que pas de pseudonyme. C'est pour bien identifier les personnes
derrière pour pouvoir donner aux trois qui sont sur le podium les cadeaux. Donc, je rappelle, vous rentrez le code PIN et vous rentrez votre prénom et nom de famille, s'il vous plaît. Donc là, je vous attends. Donc, au fur et à mesure, vous allez vous connecter. Votre nom, votre prénom et nom vont apparaître à l'écran. Donc, n'hésitez pas, les 37 personnes, même Christophe, hein, tu peux jouer. Voilà, on a Stéphane, merci. Donc, c'est des questions en rapport à ce que on vous a présenté sur cette journée. Allez-y. Le caout.it. Voilà. Parfait. Bruno. Merci Bruno. Jeanne aussi. Et donc le principe est simple. Hein, c'est vous allez avoir. Le principe est simple. C'est vous allez avoir les questions et plusieurs réponses qui vont être affichées sur mon écran partagé. Et vous devez choisir la bonne réponse à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur en choisissant la bonne couleur. Et plus donc, vous donnez une bonne réponse, vous marquez des points, et plus vous répondez rapidement, et plus vous marquez de points. Et donc, on donne les cadeaux, c'est donc les livres de sensibilisation offerts par ISA France Security Tuesday, par Diane et Adi. Donc, c'est les livres Envie de Cyber, qui peuvent d'ailleurs servir de super cadeaux pour Noël. Hein. Je recommande vraiment, moi j'ai le livre. N'hésitez pas à aller sur, tu peux nous dire le site, Diane, c'est sur Studirama, si je me rappelle bien, et vous commandez le livre, vous le recevez chez vous, voilà. Mais si vous le gagnez, bah, vous avez déjà un super cadeau. Ouattara qui vient de nous rejoindre, n'hésitez pas donc à vous connecter sur caout.it et vous rentrez le code PIN. À partir de 10 personnes, on démarre. Allez, allez, allez. On vous donne encore 2 minutes. Merci pour Noël. On est à 8. Allez, encore 2. Et vous êtes 36 dans la salle, là. Et... Denis, parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent participer, dans ceux qui sont dans la salle? Vous me dites dans le chat si vous voulez participer. Et on peut attendre encore un peu. Ah, ah oui. Ouais, sur un smartphone, Stéphane. T'as un smartphone, forcément. Ok, il y a Sébastien qui arrive. RKO, Rio, Roland. Donc vous allez sur OK, Class arrive aussi. Kaout.it. On redonne le lien et vous mettez le code PIN. On est 11. Je pense qu'on peut, on peut faire mieux là. Robert, Redmi, qui encore? Larbi. Allez. Attention, parce que voilà, on est 12 déjà, c'est pas mal. On va démarrer. On va démarrer. Donc, ceux qui nous rejoignent, vous pouvez nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, vous avez le code PIN. Est-ce que je peux le copier? Je vais le taper ici, au cas où. Voilà, 703 69 97. Ah, il y en a un qui s'est déconnecté. Voilà, vous avez le code PIN ici et donc l'adresse. Comme ça, vous pouvez nous rejoindre en cours sans problème. On va démarrer. Donc, il y a, je crois, 15 questions en rapport avec ce que vous avez vu aujourd'hui. C'est parti. Alors, quel type de CTF permet aux joueurs de choisir quel challenge attaquer en premier sur un tableau? Dès que vous avez la bonne réponse, vous cliquez. Quel type de CTF permet aux joueurs? Donc, c'était Mathieu Guillot qui nous a présenté ça.
Et il y a un timer, bien sûr, ouais. Donc, effectivement, bravo aux deux personnes qui ont répondu Géopardi. C'était la bonne réponse. Parfait, on enchaîne. Oui, il y a un timer hein, qu'il faut tenir compte, sur lequel il faut tenir compte. Deuxième question, lequel n'est pas un type de challenge habituel? Est-ce que c'est crypto, web, algo ou reverse? Lequel n'est pas un type de challenge? C'est toujours les questions de Mathieu Billot. Donc, il ne reste que 6 secondes. Il faut penser à répondre, même si c'est au hasard. Ouais, c'est algo. Bravo aux 3. Effectivement. Pour l'instant, on a un trio de têtes avec Bruno, Mansu et Robert. Lequel de ces sites de CTF est un site francophone? C'est Axebox, TryAcme ou Newbie Contest? Lequel est un site francophone? Comment ça, il n'y a pas les propositions affichées? C'est sur mon écran, Clément, les propositions. Clément, c'est sur l'écran partagé, hein, les propositions. Oui, mais sauf que en fait, il faut que tu puisses répondre depuis l'application. Enfin, moi, j'ai seulement les différentes couleurs. Oui, tu as les couleurs. Différentes couleurs. Oui, et en fait, tu regardes sur mon écran, tu regardes les couleurs et tu réponds sur ton ah, ensemble, par rapport à la couleur. Ah bah non, pourquoi tu peux, moi je vais totalement switcher, donc bah tant pis. Mais tu peux, non, mais tu peux si tu es connecté, tu continues, tu peux rattraper, t'inquiète pas. Ouais, je sais, mais non, c'était. Bah, je pensais que c'était plus affiché de l'autre côté. Non. Donc là, effectivement, c'est Nubi Contest. Très bien. Et Bruno qui prend la tête. Attention à Bruno Laderval. De quoi me protège un Hardening Repository? Donc là, on est sur le talk de Nicolas Bonnet. Alors, il peut avoir deux réponses et vous choisissez une réponse. Il peut avoir deux réponses. Là. Il y a deux réponses. Voilà, effectivement, c'est la suppression accidentelle ou l'action d'un malware. Et donc là, ceux qui ont répondu à une des deux. Peu importe, Eclas, soit tu as l'application, soit tu as sur le web. Lors de la configuration d'un Hardening Repository, je dois utiliser un compte de quel type? Identifiant usage unique, identifiant multiple, utilisateur à local standard, identifiant standard. Donc, toujours sur le talk de Nicolas Bonnet. Sur le Vim Immutable Repository. Ouais, donc c'est effectivement en identifiant un usage unique. Très bien. Et Christophe Rovail qui remonte. Le cyberharcèlement est qualifié en droit français de contravention, délit, crime. Ouais, c'est un délit. Bravo, au neuf, effectivement. Et Sébastien Ramela qui remonte, attention. Le délai de prescription en matière de cyberharcèlement est de combien de temps? 1 an, 6 ans, 2 ans? J'en connais une qui a déjà répondu. 2. Ouais, c'est 6 ans. Bravo, 7. Très bien. La notion de cyberharcèlement a été consacrée en 2021 par la loi Balanan, 2018 par la loi Schiappa, 2014 par la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. La notion de cyberharcèlement. Et ouais, Madame Schiappa, effectivement, en 2018. Bravo. On enchaîne. Quel droit faut-il pour lancer Pinkcastle? Là, on est passé de cyberharcèlement à Pinkcastle. Vincent Lotou,
quel droit faut-il pour lancer Pinkasle? Juste pour lancer. Ah, il y a du monde là, un peu plus. Ouais, rien du tout, aucun droit. Effectivement. Bravo. Et Clément qui revient. Environ combien de cyberattaques avec ransomware compte-t-on dans le monde en 2021 au 30 novembre? Là, c'est sur le talk de Valheim Archive, sur l'état de la menace. Combien de cyberattaques avec ransomware compte-t-on dans le monde en 2021 au 30 novembre 2021, d'après vous? Est-ce que c'est 1500, 2500, 2900? C'est 2900, effectivement. Bravo au 8. Et Bruno qui tient tête. Hein. Quelle part des attaques survenues en France est connue? Est-ce que c'est 10%, 30%, 50%? Pareil, toujours sur le talk de Valheim Machine. D'après l'état de la menace qui nous a fait, quelle part des attaques survenues en France est connue réellement? C'est 10%. 10%, bravo à ceux qui ont répondu. Quel est le numéro national d'assistance de lutte contre les violences numériques? Est-ce que c'est le 18, le 118, le 3018 ou le 2018? Le numéro national d'assistance de lutte contre les violences numériques. C'est Diane qui, et je crois aussi Jeanne aussi, l'a annoncé tout à l'heure. Effectivement, c'est 3018. Bravo 6. Hé, hey, Bruno. Attention, Bruno. Quel organisme a déclaré une journée officielle contre le cyberharcèlement? Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé, Clément, parce que tu ne vas pas donner les réponses, mais j'ai mis cela et j'ai choisi. Mais je pense que j'ai bon. Si j'ai faux, bon, ben, c'est pas grave, hein, on la compte quand même. Mais je pense que j'ai bon. N'est-ce pas, Clément, j'ai bon? Exactement. Ok, parfait. Donc, l'UNESCO. Bravo, 7. Alors, qui exploite les faiblesses des systèmes d'information? Les rançonneurs et leurs affiliés, des intermédiaires mercantiles ou les deux? Voilà, c'est facile. Hein. Qui exploite les faiblesses des systèmes d'information? C'est qui avait sorti ça? Bah c'était Valérie encore. Et effectivement, c'est les deux. Bravo, 10. Et attention, attention. La dernière question. Quel est le format du rapport produit par Pinkasle? Un fichier Word, un fichier PDF, un fichier HTML, un fichier Excel. Alors là, on va voir le podium là, tout de suite. Le podium, et donc le podium. Et c'est effectivement, c'est du HTML. Et parfait. Et donc, troisième, c'est Clément qui est remonté. Bravo. Christophe Elec, deuxième. Et donc, le premier, je pense que c'est monsieur Bruno Laderval. Voilà, donc tous les trois, vous avez gagné. Et bien, c'est bien en plus parce que c'est Clément qui les a ramenés à la réunion. Tu repartiras avec un livre Envie de cyber offert par Issa France, Issa France Security Tuesday. Merci à Diane pour ce beau cadeau. Donc voilà, vous allez, Christophe, il va falloir que tu viennes à la réunion pour venir le chercher parce que je vais pas t'envoyer au Canada. Ça marche. Bruno, c'est parfait, c'est à la réunion et Clément, il est à la réunion, ça tombe bien. Parfait. Voilà, donc là, demain, on refait la même chose. Demain, il y aura d'autres questions sur les confs qui ont lieu et on va offrir à nouveau des livres Envie de cyber que vous pouvez offrir, soit garder pour vous, parce que moi, j'aime bien, moi, ils sont vraiment très bien, ou soit vous offrez en cadeau au sein de la famille pour de la sensibilisation. Et dimanche. Gagnant. Ouais, félicitations. Et dimanche, il y aura en plus des livres, il y aura donc des abonnements Alphorm annuels, des abonnements, donc trois abonnements à gagner sur tout le catalogue Alphorm d'une année.
Donc, pour les super gagnants du super quiz qui aura lieu en fin de journée. Voilà, donc on a fini cette première journée. Vraiment, un grand merci à tous les intervenants et intervenantes, ainsi que les animateurs, ainsi que les bénévoles, les partenaires qui ont été présents sur cette première journée. On vous donne rendez-vous donc demain pour une journée qui va être encore très, très riche. Donc, je vous redonne à nouveau le programme. Et on compte vraiment sur vous pour qu'il y ait du monde sur les sessions pour venir poser des questions, interagir avec les intervenants. Merci encore et rendez-vous demain. Merci à demain. Ouais. Bonne soirée ou bonne journée à tout le monde. Ouais, bonne journée pour le Canadien. Et à demain. Clément, n'oublie pas de commander à manger parce que sinon tu vas te trouver sans repas. C'est vrai qu'il est 22h30. Ouais. Sébastien, on se retrouve pour toi dimanche, je crois. Mais demain, je pense que tu vas faire un petit tour, Seb. Bruno, pareil aussi. Hein, de toute façon, voilà, il y a des choses super intéressantes demain. Donc,